petit peu de Hollow Knight, édition Cœur du Vide, j'ai vraiment pas fait gaffe. Après la vidéo précédente sur Mixer qui avait eu des problèmes, l'image et le son avaient été décalés. Voilà, maintenant je continue sur Twitch. Le premier boss est décédé. Deuxième boss, non, décédé entre guillemets. Je suis content d'avoir plus de tuer. Perdu un petit ah putain, ça c'est le trompe de touche, donc on peut avoir le dash. Où est-ce qu'il fallait aller? Comme ça tout le temps, c'est vraiment horrible. Mais on peut pas passer par là en fait. C'est là où il y avait le boss. On arrive ici, il y avait un truc de pierre. Merci. Putain, mais j'ai sauté! D'accord. Reviens dans la zone avant le boss. Ça c'est une bonne chose. Je me retrompe de touche. Putain. Je vais me donner des baffes à chaque fois que je me trompe, je crois. Parce que sinon ça va pas être possible. On va juste aller sauvegarder par ici. Donc, on va aller en haut à droite. Donc je sais plus du tout où je dois aller. On va s'entraîner à activer la carte. Voilà. Activer la carte LB. C'est pas select, c'est LB. 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 Ah merci. Merci. Donc j'appuie sur la touche d'attaque. C'est là la sortie. Je sais pas si je peux y aller, à voir. Ah si je peux. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Il y a la mort qui nous attend. Ah non. Putain, j'ai du cul. Hein.
Ça doit relier les deux zones en fait. Je pense. Ça doit être ça. Un petit peu d'argent en plus en même temps. Voilà. Un autre chemin en bas, putain, mais LB, LB, LB. C'est horrible. J'étais déjà venu ici, non? Ah non, pas encore. Et mais y a que dalle en fait. Je pensais qu'on allait avoir genre une grille à ouvrir ou un truc comme ça. Peut-être qu'on pouvait pas sauter assez haut. C'est peut-être ça en fait. Un portail. Un portail, un point de sauvegarde plutôt. Ok. Ok. Il y a un chemin en bas. Là où on était tout à l'heure, il y avait un chemin en bas. C'est bien ce qui me semblait, mais... Ah c'est ça, ouais. On sautait pas assez haut et on avait pas le dash. C'est là? C'est à côté. Attendez. J'ai pas mis à jour le jeu. Passer Twitch. Hop. Hop. Stream, catégorie. Je suis dans catégorie. Si c'est catégorie, Hollow Knight. Mettre à jour. Voilà. Merci, sympa. On peut jouer à cache-cache. Presque. Où est le personnage? Caché par le décor. Ok, donc c'est là apparemment. Ah, c'est ça. Ok, ça relie les deux chemins, je suppose. Il mourut. Et toi aussi. Je pense c'est le chemin avec les ronces. Putain, je me retrouve. On peut pas y aller ici. Quoique. Parce qu'il y a plusieurs chemins comme ça avec les ronces. Je sais pas si celui-là on peut y aller ou pas. On peut peut-être y aller, mais... Je
On peut y aller là. Si on pouvait y aller. Épine d'agonie. Là, c'est scellé. Je suis pas sûr que ça soit un bon truc ce machin. On verra. Il n'y avait rien de spécial activé. Ok. Bon, du coup, faudrait aller aussi tout en haut à droite, mais ça me fait chier de revenir, quoi. Ah, attendez, attendez. Peut-être qu'on peut y aller en bas. Ah. Ouais, non, non, non. On n'a pas assez d'élan encore. C'est l'autre dash qu'il nous faudra. Ah, c'est ici, je crois, on peut pas aller, c'est ça? Si là, on peut encore y aller. Je sais plus si on l'avait vu, ça, on s'en fout. Hop, 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 hop. Le passage de merde. Ouais, là on peut pas y aller. Attendez, quoique. S'il y en avait pas un qui venait de temps en temps. On va attendre 30 secondes. Je crois que c'est mouru. C'est mouru, on peut pas y aller. Bizarre. Il me semblait qu'on pouvait y aller, mais pas complètement, mais un petit peu, mais apparemment non. Donc on va remonter. Est-ce qu'on peut remonter par là au moins? Ah, tu m'as eu, j'avoue. J'aurais dû passer par en haut. Fuck. Il va falloir que je revienne, putain. Je me suis trompé de chemin en fait. J'aurais pas dû passer par là. J'aurais dû passer par le premier chemin. J'aurais pu ouvrir comme ça le portail. On aurait débloqué le raccourci.
Bon, c'est pas grave, il doit y avoir un enfant quelque part, mais... On chauffera plus tard. Ah. Ah, merci. Exactement ce que je voulais faire. Tomber où? Hop. On s'en fout. Et donc, là c'est en haut à droite. Okay. C'est ici le truc. On va re-sauvegarder hein, tant qu'on y est. On sait jamais. Pensez à Kimari, ce petit personnage, on dirait qu'il a un petit peu les cornes pétées. Comme Kimari. Ah. Pile au moment où je regarde ma carte. Salaud. Attendez. Je l'avais pas fait. Ouais. C'est bon, on a rien loupé, hop, on peut pas aller là. Ici ils sont deux. On les protège de l'argent. Ouais. C'est merveilleux. On est riche. Putain, le fric qu'on vient de se faire, quoi. Et merde. Pile au moment où j'allais regarder ma carte encore. Putain, il a le chic pour apparaître quand je dois regarder ma carte, lui. Merde, j'allais trop loin. Donc... Okay. Ok. Là, c'est là où il y avait Zoltan, je crois. Là où il y avait Zoltan, donc du coup pourquoi on n'est pas allé à droite? Bizarre ça. Mmh.
Ah, merci, c'est gentil, oui. J'en avais bien besoin de ça, putain. Mais franchement. Saloperie de stalactite. Et pas de stalagmite. Parce que les stalagmites montent et les stalactites tombent. Ah, je sais. Je crois que c'est pour avoir un bonus. On va combattre des sortes de taupes là. C'est ça, on va tomber. Est-ce qu'on va y arriver? Merde. Voilà, on l'a eu. Merde. C'est n'importe quoi, putain. C'est bon. J'en souvenais de ce passage. C'est pour un truc de carapace, non? Ouais, c'est ça. Une carapace de Baldur. Carapace de Baldur's Gate. Merde, du coup, par contre, on a plus de vie. On a plus de vie. Je crois qu'il y avait que ça ici. Encore de l'argent. Toujours bien d'avoir un petit peu d'argent. Ici. De toute façon, il nous faudra un banc pour mettre à jour la carte. On va reprendre de la vie. Hop. Parfait. Donc du coup, où est-ce qu'il faut aller? Je pense qu'il faut retourner au début. Hein. Ouais. Peut-être aller au Brume Canyon, mais je suis pas sûr. Brume Canyon. Ça, je pense pas avoir fait le jeu en français à l'époque. Je connais pas les noms français en fait. Bon, je dis ça, mais je me souviens pas des noms anglais. Quoi déjà? La carapace? Ça nous protège? Parce que ça, ça c'est... Ça prend combien de place déjà? Deux. Ça aussi ça prend deux. Tant pis. Je vais baisser un petit peu mon son. Énorme. On a fait tomber un acide.
Bon, après, c'est vrai que c'est pas non plus un skill, enfin charme extraordinaire quand on n'est pas face à un boss. Mais ça peut aider quand même. Ça peut aider quand même. Faut aller plus bas. Merde. Quelle connerie. C'est à gauche. À gauche. Ah, ici, là. Ah, il fallait le dash. Il fallait le dash, mais... Ah oui, il y a mini-boss. Je m'en souviens. Merde. Ça par contre, je m'en souvenais plus. On va jouer la sécurité. Voilà. Et hop, bien ici. Ah, on peut le faire deux fois. Ok, ok. Ok, d'accord. Ce sera deux fois plus rapide comme ça. Ah, peut-être. Ah non, pas trois fois. A mon avis, on doit pouvoir l'avoir trois fois. Merde, je suis. Je suis à voir. Salaud. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est des bandades. Merde. C'est moi qui ai sauté. Il est mouru. Il a fait le gros paix. Il y a un truc par ici. Par notre ami sac de nœuds. Oh, un truc là. Est-ce qu'on pouvait atteindre les plateformes là? Là on peut. Donc on passe par là, on passe par là. On passe par là, on passe par là, on passe par là. On peut pas tuer. On peut pas les tuer ces plantes. On peut leur envoyer leur truc. Mais on peut pas les tuer. Enfin, je pense pas. Merde, putain, quel con. Quel con, quel débile mental. Non, non, non. Ça m'avait rien ici. Sans mec. Il y avait que dalle. C'est une blague. Il y avait que dalle. Ah si. Il y avait une sortie en fait. Ok, servait à que dalle. Oh putain, c'est la zone super chiante là, non? Je crois que c'est ça, ouais. C'est la zone super chiante. Avec du fric là. Non, on s'en fout pas. On s'en fout pas, mais... Et voilà.
Un gosse. Ah, c'est là où on peut plus. Ouais. C'est là où on peut pas y aller, ouais. Ça nous a permis de sauver un enfant. Il est content. On peut pas passer par là. Bon, on s'est fait quand même pas mal de fric là. Franchement. On a dû doubler notre cagnotte. Même plus. Et donc du coup, c'était pas là où il fallait aller. J'ai l'impression que mon crâne va être déformé avec la pression du casque, quoi. Truc de fou. Sanctuaire de pierre, on s'en fout. À gauche, donc on peut pas y aller. Faut revenir à la première zone. Je sais plus du tout quelle est la troisième zone du jeu. Putain, j'en souviens pas du tout. Première zone, évidemment, on s'en souvient. Deuxième zone, c'est celle-là, on s'en souvient. Mais la troisième, j'avoue que ça m'est sorti de la tête. Quoi. Est-ce que ce serait pas les cavernes avec les cristaux? Parce que bon, il me semble qu'il faut. Il faut une compétence pour péter le sol, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y avait un autre endroit? Est-ce qu'il y a un autre endroit où on pouvait passer? Je me souviens plus. Putain. J'ai pas fait gaffe. Quoi. Il faut aller en haut. C'est pas par là. Si on peut retourner aussi au village, peut-être que ça va nous permettre d'acheter quelques trucs intéressants. Faut-il encore qu'il y ait des trucs intéressants? C'est là où il y avait cornifère. Ah! Un bien beau fail. Sois sûr. Hop. Hop. Oh putain. Des insectes qui commencent à apparaître dehors. Le printemps arrive. Ah bon, on peut dire que l'hiver c'était déjà un petit peu le printemps de la chaleur qu'il faisait. Sauvegarde. Carte mise à jour, merveilleux. Et donc là, il faut aller à droite. Parce qu'à part aller à droite, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Merde. J'ai oublié que c'était un qui pétait. Il nous a pété dessus.
Peut-être aller vers la droite. Soit c'est à droite, soit c'est en bas. C'est un des deux. C'est bien fait réceptionner. On va aller voir le papa. Ah, je crois que la prochaine zone, c'est le truc avec les montres religieuses. C'était Zot, c'était pas Zoltan. Zoltan, c'est un Pokémon, je crois. Zoltan. Je n'y ai plus. Est-ce qu'il y a des trucs sympas? Ah bah oui, du coup, oui, on peut acheter ça, ouais. Bah plus qu'un bout. Ça aussi on peut l'acheter du coup. On peut acheter la clé. Carapace. Ça peut être sympa. Sympa, putain, mais je peux pas tout prendre. La clé simple. Je sais plus à quoi ça sert, mais bon. On va prendre ça. On va prendre ça. Ah. Même si bon, pour le moment, on a pas assez de slots pour mettre tous les charmes, donc. C'était qui déjà? La femme de Cornifère, donc c'est toujours la même chose. Putain, ah non, ça c'est pour se téléporter. Est-ce que c'était ça la clé? J'en souviens plus. À quoi il sert, mais
Je crois que c'est si on a fait une connerie dans le jeu qui répare nos erreurs, il me semble. Un peu comme dans Dark Souls. Merde. D'abord aller par là. Donc là non. Enfin quoique. Est-ce qu'il y avait un truc à choper? Ah non, c'était pour sauver un enfant. Je crois. Hop. Ah oui, donc là c'était les mines. Donc ça, ça va nous emmener au truc qu'on peut pas encore péter. Je crois qu'on doit pouvoir y accéder en bas les mines. Et donc là on peut pas passer. Et en plus on n'a pas la carte. Ah, je sais plus où il faut aller. Essayer le chemin juste en dessous. Ah non, ici. Mais de toute façon, c'est fermé en plus. Ici aussi, ça sert à rien. J'aurais dû acheter les repères à la femme, le cornifère, pour que on puisse se repérer plus facilement. On peut aller qu'en bas, ouais. On va aller en bas. Ensuite on ira à gauche et en bas. Il y a peut-être un truc aussi en bas à droite. Tant qu'à faire, on doit aller voir. Est-ce qu'on peut y accéder maintenant? C'est là où il y avait la fourmi. Enfin la fourmi, non, c'est pas une fourmi. Pourquoi je dis fourmi à chaque fois? Ah, on peut y aller, merde. Merde, on peut y aller. J'aurais pas dû dépenser mon argent. Non. Salut, bras. Je crois qu'elle avait des bons trucs, elle. Oh oui, putain, elle a des bons trucs. 120, tiens, on va prendre ça, ouais. On va prendre ça, on va farmer juste 2-3 ennemis, Roxoli alors. Cœur sans vie. Ouais, donc ça c'est pour les cœurs bleus. C'est quoi ça? Ça c'est pour augmenter la taille de l'épée. Enfin, de l'aiguillon quoi. Ça je sais plus ce que c'est. Rock solide, c'est peut-être pour pas être repoussé quand on fait des attaques, je crois.
Et ça, pierre du chaman. Ça rend les sorts plus puissants. Ça doit être pour se régénérer plus rapidement. Ok. Placement de charme, on va prendre ça. Ça, c'est vital de prendre les emplacements de charme le plus vite possible. Voilà. Non! Putain, je me suis trompé. On allait acheter Rock Solide. Ok. Est-ce qu'on a un truc qu'on peut mettre? Tiens, on peut mettre épine d'agonie. C'est le seul truc qu'on peut mettre. On va le mettre. Ok, donc bon. Donc, ouais, on va continuer à gauche. Bien fait de venir ici quand même. Ah, c'est bloqué ici. Bon, on va aller en haut et à gauche. Ah, quoique. Ah, quoique. Ah, si, on peut passer. Ah, c'était peut-être la ville. La sorte de ville-cité. Ah non, pas du tout. C'est la zone des champignons. Ça, c'est pareil. Il faut l'attaque vers le sol. C'était la zone des champignons, la troisième zone. On dirait que oui. D'accord, c'est à partir d'ici qu'on va atteindre la cité. C'est ça. C'est ici où on peut atteindre les mantes religieuses aussi. C'est grave en fait. Là, il y avait un PNJ, non? Ah, je m'en souviens un petit peu quand même. Il vendait des charmes qui se cassaient, il me semble. Quelque chose de joli. Ça par contre j'en souviens pas. Payer pour quelque chose de joli.
Ça sera débloqué à la fin du jeu. Est-ce qu'il y avait un truc à gauche? Ah! Il y avait le champignon fou. Ah. Ils étaient deux. What? Ils étaient deux. Ça par contre je m'en souviens pas. Merde. Ils étaient deux. Pas bien dur. Hein. Emplacement de charme. Oh merveilleux. Merveilleux quoi. Ah, c'est peut-être là les montres religieuses. D'accord. Il avait envie de se suicider. Ah putain, c'est vrai qu'il saute. Les deux, lui. Merde. C'est vrai que eux en plus, ils enlèvent énormément de vie. Ouais. Beaucoup de vie. Par contre, j'ai toujours pas vu Cornifère. Je sais plus du tout où il est, Cornifère. C'est du paix. Première catégorie quand même. Va là-bas toi. Je reprenne de la vie. Hop. Oh putain, il doit être là. Il est peut-être en bas. Ah, il est là. Ah, c'est bon ça. Putain, j'espère que j'ai assez par contre. Non, c'est bon, ça va. Bloqué ici aussi. Oula. Là on peut pas y aller. Hop, hop.
le salaud. Là, on va pouvoir sauvegarder et en plus de ça on va mettre la map à jour. C'est parfait ça. Ah. Ouais, non. Les personnages de ce jeu parfois ils sont un petit peu... What the fuck? Non c'était pas là, c'était plus haut? C'était plus haut? Elle avait la tête aussi haute? Non, c'est pas du tout le même endroit là. Oh putain il y a la banque ici. C'est ça? Ça c'est la banque. Oh d'accord, finello. Allez, on va le faire quand même. Destio, Gio. Gio, Kalala. Gio, Kalala. Ici on va pas trop y aller parce que voilà c'est la zone de la mort ici donc... Juste pour le fun. Sony vient d'annoncer un nouveau Xperia. Xperia 1-2. Okay. Sony annonce une nouvelle PlayStation. La PlayStation 1-2-3. Allez. Ils savaient plus comment l'appeler, ils ont mis tous les chiffres en fait qu'il y avait jusqu'à présent. 1-2-3-4. Vita aussi. Franchement, les gens qui trouvent les noms des nouvelles consoles, nouveaux smartphones et tout. Ouais. Impressionnant. Oh putain merde, il faut de l'argent. J'ai oublié. La tristesse du cœur. Putain, c'est fait avoir. J'aurais pas dû utiliser l'argent pour la banquière. Je sais plus comment on fait pour aller la voir elle. Je sais qu'il y a un passage mais je sais plus où il est. Est-ce que c'était là? J'ai bu. Bon, on continue la zone. Salaud. Là, quand on va tout à droite, c'est la cité. Quand on va en bas, c'est les montres religieuses. La cité. Quand on va à la cité. Et je pense que peut-être qu'on pourra améliorer notre aiguillon qui est le forgeron. Je sais plus ce qu'il demandait le forgeron. Je sais qu'il faut de l'argent, c'est quasiment sûr. Je crois qu'il fallait un item spécial. Il n'y a rien
ici. C'est quoi ça? Je me souviens pas. Oula, oula, oula. Ouf, mais chaud. Donc là, il y avait rien. Ok. Putain. Ouais. Je vais passer par la droite. Non, ne tombe pas, s'il te plaît. Oh putain, il est de retour. Putain. Il a de la vie, hein. Je me souvenais plus qu'il respawnait quand même. Peut-être que c'est des ajouts de cette version, je sais pas trop. Ah. Merde, c'était trop haut. Putain. Merde, il est pas mort. Ici. Ah bah. Y'a un passage à droite ou pas là? Y'a un passage à droite. On change de zone. Ah, c'est un fantôme, je crois. Je crois que c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il y a pas un truc ici. Ah, c'est la fille. Oh. C'est close. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Les montres religieuses. On peut pas. Ah, peut-être avec l'autre. Bim. 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 Ah, on a réussi. Voilà. Voilà. Merde. C'était pas prévu. Ok, ok. J'avoue que je sais plus du tout. Ah, c'est un raccourci. On va les bloquer. Ouais, je sais plus du tout. Ah bah non, il n'y avait pas de sortie par ici. Faut faire gaffe quand même à pas crever parce que
pas d'ennemis en plus. Voilà. Notre très cher étendre. Voilà. Pouah, saloperie. Saloperie. Ah, ça raccourcit, non? On doit pouvoir ouvrir une porte, j'imagine. On est où là? On était déjà venu ici? Chelou ça. Il y a un passage secret là. Ah, c'est ça, c'était bien bloqué là. Ça me semblait bizarre qu'on soit venu ici, mais qu'on n'avait pas vu cette zone. C'est bon. Oui, c'est vrai que c'est des ennemis ça. Merde, je sais pas si on va d'abord aller ici parce que c'est un boss quand même qui est assez coriace. Beaucoup plus que le deuxième boss là. C'est vrai que le deuxième boss, bon, je me souvenais qu'il était pas simple. J'ai quand même réussi à le tuer du premier coup. Mais là, je me souviens que c'est vraiment pas simple du tout. Donc, on va rebrousser chemin. Merveilleux. On va juste essayer de se faire un petit peu d'argent. Et on ira à la ville d'abord. Il y avait un banc. Oh, surtout que merde. Du coup, on n'a pas débloqué, ouais, le... Putain, le téléporteur. Putain, mais...
Faut qu'on débloque le téléporteur. Merde. Une façon assez marrante de tuer une mante religieuse. Et quoi par ici? Ah bah c'est par ici en fait. Justement par là le boss. Tout à l'heure je crois qu'il y a juste un banc. Je sais pas si la zone continue. On peut passer par en haut. Je sais plus par où il faut passer, mais... Ouais, il y a un passage en haut. Merde, je t'avais pas vu. On a débloqué un truc. J'ai pas vu ce que c'était. Peut-être qu'il y avait une porte. Possible. C'est possible. Pince de menthe religieuse. Non, je m'en souvenais pas de ça. Je me souvenais pas qu'on avait ça ici, quoi. Bon, bah, on n'est pas venu là pour rien. Il y a de l'argent. On s'en fout de l'argent. D'accord, c'est pour activer ça. Okay. Que ça serait pas du tout. Je crois que c'était un masque. Comment se faire nuit? Ah, on peut pas. Ouais, on peut pas. Faut le double saut. Juste allumer la lumière. Voilà. Double. Thank you.
Ah, d'accord, on revient ici. On revient ici. N'était pas venu là. On était venu là. On va juste aller au banc alors. On va juste aller au banc, on va aller l'activer. Après, on active le téléporteur et on va à la cité. Ah. J'aurais dû m'en douter. Voilà, la carte est mise à jour, on va mieux se repérer maintenant. Ok. Maître de la célébrité. On peut pas y aller. Ah, quoique. C'est quoi maître de la célérité? Ah, des ruées en avant, plus souvent d'effectuer des ruées vers le bas. C'est les dash. C'est les dash. On pourra dasher plus facilement, je pense. C'est pas ça qu'il fallait faire. C'était le dash. C'est que ça. Peut-être qu'elle va rentrer au village. Et que du coup, nous vendre des trucs, je sais plus. Je sais plus du tout. Bretta. C'est pas là qu'il fallait aller. Mais c'est pas grave. C'était pas là non plus qu'il fallait aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le truc des épines! C'est les épines qui ont dû s'activer. C'est bizarre, ouais, c'est la première fois que ça s'active, non? C'est étrange. Et tu me dis qu'en haut à gauche, il y a un passage qu'on n'avait pas fait.
Alors en haut à gauche. On passe par ici. Donc c'est ici en haut à gauche. Qu'est-ce que c'est là? Mais oui, mais quel con! C'est l'endroit où on peut pas aller. Quel con. Merde. Merde. Bon. Faut juste aller libérer le téléporteur là. Heureusement qu'il y avait un raccourci ici. Hein. Ça nous mène où ça? Ça nous mène dans un endroit où on perd la vie. Non mais il va recommencer hein. Il y a un truc. Ah. Il y a un truc sauf qu'il y a rien. Oh. Tu déconnes. Il est quasiment mort en plus. Je peux pas se soigner. Ça pue du cul. Technique très chiante pour reprendre de la vie. Elle vient ici. Merci. On va prendre un petit peu de l'argent aussi. Allez, encore un dernier coup. On se soignera. Voilà. C'était encore avec un insecte. Oh putain de merde.
Ah, c'est un endroit chaud quand même. C'est un endroit qui est chaud. Très chaud. Trop chaud. Bon, j'espère qu'on va y arriver parce que... Alors, ici, hop, 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 hop. Putain, j'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà, sauvegarde. Oh putain, c'était un truc. Ah non. Ah, c'est un truc de merde en plus. Je crois que c'est un truc de merde, champi sport. On a fait ça pour rien. Donc, oui, activer le téléporteur. On va y arriver. Voilà, on a retrouvé de la vie. On a une petite réserve en plus. Parfait ça. Il était là. Il était là. Voilà. Ah, est-ce que donc champi sport. Ouais, c'est nul. Ça par contre on va l'enlever. On va remettre ça. Je suis pas sûr que ça soit utile le dash en bas, mais... On peut pas faire le dash en haut en tout cas. Le mieux c'est de passer en bas à droite.
Ok. On s'en fout. Hop, 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 hop. Ah, il y a les égouts à partir d'ici. C'est vrai qu'il y a les égouts là. Merde. Je me souviens qu'il y a un téléporteur aussi, sauf qu'il est tout au bout de la zone. De l'autre côté en fait. Non, c'est pas les égouts par ici. Il est en train de se faire choper par les ennemis, c'est pas bon ça. Pourquoi on arrive ici? Attendez. Il y a un autre passage en haut. Il y a un truc ici ou pas? Là on est bloqué. Ouais. Enfin, on revient à l'entrée quoi. D'accord, on peut pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est l'arène en plus d'un boss, il me semble. Putain. On a failli se faire empaler par le truc. C'est un truc en haut, je crois pas. Ouais, non, je crois pas. Oh, c'est notre ami. Je sais plus comment il s'appelle. Kirel. Quirel. C'était un coffre-fort. C'était une plateforme. On va quand même essayer d'aller au forgeron d'abord. Je crois qu'il était en bas à gauche. C'est ça.
que bon, si on peut avoir notre arme améliorée, c'est pas de refus. Ah, Ranjo Stenja. J'ai trouvé le bon insecte, fabricant d'aiguillons. C'est un scarabée. Avec une barbe. Ah, on n'a pas besoin de trucs au début. Junsha. Garadel Akari. Ah, Ranjo Stenja. Un morceau de minerai pâle. D'accord, ouais. Il faut bien un item. Ce sera pas pour tout de suite, du coup. Voilà, maintenant les moustiques on les tue en un coup. Les autres on les tue en deux coups. Lui on le tue en quatre coups peut-être. En place de 5. Ah attendez, est-ce qu'il y a un truc là? Non. Non, il n'y avait rien. Il s'est noyé. Ça, c'est les égouts, ça. Ici, c'est pour avancer dans l'immeuble. À la tour de la cité. Ouais, sauf qu'on peut pas passer par là, de toute façon. Donc ça, c'est pour les égouts. Hakana Sagamos. Ah, c'est pas Shining of Resonance. Shining of Resonance, on aurait eu une heure de cutscene. Pour après 2 minutes de jeu et encore une heure de cutscene. Il est méchant, il est méchant. Ah, est-ce que... Oui. Est-ce que on n'aurait pas besoin du truc des mantres religieuses? Peut-être possible. Peut-être que là, du coup, on va être obligé d'aller tuer les mantes religieuses.
Sauf que avant d'aller les tuer. Ah non non. Ouais. Vas-y, pas aller en haut là. Avant de les tuer, il faudra retourner au début pour acheter des emplacements de charme. Parce que je pense qu'on doit avoir assez d'argent pour un autre emplacement. Et peut-être même... Non, peut-être pas deux quand même. Je sais pas, on verra. Un emplacement, je pense que ça doit être bon. Le pauvre. Ah, on peut peut-être passer par là. Ah, on peut peut-être passer par là. Ça nous mène où, ça? Ah ouais, ça nous mène au truc de tout à l'heure. Borison Kian. Velmi Arcad. Velmi Arcad. Ah non, c'est à vendre. Velmi Arcad. Ah, c'est pour vendre, ouais. Velmi Arcad. Helma Delka. On peut passer par là, oui. On peut passer par là. Jolie lance. Oula. Est-ce qu'il y aurait pas un enfant par là? Toi, t'as un petit dard quand même. Comparé à ton pote de tout à l'heure. Et merde, il nous a eu. La bombe moustique. On peut passer par là. Et rien d'autre. Là, on peut ouvrir la porte. Putain, quel con. Mais quel con. Oh, il y a des œufs. Pas assez loin, hein. Merde, c'est à voir quand même. Ils aiment bien cacher des trucs dans le jeu. Donc là... Tiens, on n'est pas allé là. Ah, c'est horrible, hein. Quand on n'a pas de map là. Moi, on est bloqué. Ah.
Et la cornifère. On va d'abord aller à gauche. Oui. C'est bon, c'est déjà fini. C'était pas très dur. Ah, c'est le truc de tout à l'heure. L'arène du boss doit être plus loin. Ouais, l'arène du boss doit être plus loin. Ça, c'est encore un truc activé plus tard. Ah, c'est vrai que c'est con que j'ai pas de marqueur. Sinon j'aurais pu mettre ça pour les arbres. Avoir. Oh putain, c'est pas passé loin. C'est là où on était ? Ouais, c'est là. Ouah. Il va où ? Je suis ici. Simple. Oh putain, c'est de la merde. Ah, quoique. Quoique, peut-être qu'on peut ouvrir les égouts avec ça. Je sais plus. Oh, c'est bien ça. Je savais pas qu'il y avait un téléporteur par ici. Ça va nous faire de l'argent. C'est la dèche. On avait plein d'argent. À cause de tous les mécanismes activés, on va se retrouver avec que dalle. Bien triste. Allez, viens ici. Oups.
Je me souvenais pas qu'il y avait un truc comme ça, disons. Non, je veux payer. Putain, 200 quoi. On a plus d'argent. La moitié des stations de coléoptères déjà. Ah bon. Il y en avait si peu. Ça me semble bizarre quand même. Je me souviens plus. Peut-être parce que je connais le jeu, maintenant c'est plus rapide. Mais... ah, c'est Brota, Grota. C'est peut-être pas Grota, c'est plutôt Breta. Mais on peut pas lui parler. On peut pas lui parler. Ouais, ça coûte trop cher quoi. Il va falloir qu'on achète des slots de charme. Oh. Dans le trou. Ah bah on va aller voir papa. On va aller voir papa, tiens. Je suis pas sûr qu'on ait débloqué beaucoup d'enfants, mais... Hein ? C'est sûr. Je crois qu'il y en a qu'un, en fait. On a débloqué. Ah non, il y en avait deux. Ah non, il y en avait trois. Ah bah voilà, ça fait un petit peu d'argent. C'est bien ça. Là, j'aimerais bien aussi avoir l'aiguillon, enfin la portée des attaques augmentée, mais... C'est difficile. Je sais pas trop quoi prendre. Pour le moment, on va retourner une fois à la station de la reine. Il me semble qu'on peut aller trouver la tête de l'autre là, avec le rebond là sur les murs. C'est bien ici. C'est pas du tout ici en fait. C'était pas du tout ici. Ah si. Si. Ah si si en fait c'est ici. Je suis paumé. Je suis paumé moi-même. Ah on peut pas en fait. Ah quoique. Non. Non non ça marche. Ah mais il y avait pas un truc à droite ici. Je
Je vais trop loin. Merde. Oh putain, on recommence d'ici. Sans deck. Jocelyne. C'est pas tout de suite qu'on aura notre septième masque. Mais c'est mieux que rien. Voilà. On se repose. Retourne à la cité. À la cité. À la Tessie. Ah, c'est vrai qu'il y a l'ascenseur ici. Pas en train de se rapprocher de la pire zone du jeu là. Ah non, c'était pas ça en fait. C'est quoi ça? On en avait pas déjà un, hein? Bizarre. Il me semblait que j'en avais déjà un. Mais bon. S'ils nous le disent, hein, que c'est notre premier truc, bah... Ça nous mène pas au truc de charme, ça? Ah si, 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 si. Bon, on va y aller maintenant pour le charme. Dashman. Dashman est de retour. J'espère que j'aurai assez. Hein. Souvenez plus de ça. Il nous faut 10 charmes. Oh putain. J'en souvenais plus du tout. Bon. Bah tant pis. Hein. Roc solide et longue lame. On va prendre longue lame. Du chaman, prendre Oxoline. Donc il nous en manquera un. Tant pis. Bon bah on va aller faire les mantes religieuses.
pas très rassurant ce, ce truc là. Pas très rassurant, dis donc. Parce que je me souviens qu'elles étaient vraiment, vraiment balèzes donc. C'est là ? Ouais, c'est ça, je crois que c'est le chemin le plus rapide. Il n'y avait pas d'autre truc, il me semble. C'est un petit peu loin, mais... Merde. Non. On va changer... Enfin bon, il y a un autre banc, mais on va changer nos charmes ici. Ça, c'est quoi, ça ? Permet aux voyageurs de localiser leur position. Ouais, c'est vrai que c'est... Ça peut être intéressant, mais bon... Le problème... Le dash, est-ce que j'en aurais besoin pour le boss ? Je pense pas. Et ça, la limite non plus. Qu'on pourrait mettre. Longue lame. Ouais, c'est ça, ouais. Longue lame et peut-être rock solide. Ah, quoique. Non, mais ouais, après, on a qu'un slot. Donc. Épine parce que rock solide, bon, il n'y a pas de vide là où il y a le boss, on s'en fout un petit peu en fait. Ah bien, c'est vrai que maintenant je peux plus me voir sur la map, donc il faut aller en haut à droite. Rock solide, c'est bien quand il y a des petites plateformes et qu'on doit tuer comme ça des ennemis dans les airs. Comme ça, on ne bouge pas en fait. On n'est pas renvoyé en arrière. Très utile. Mais sinon, c'est vrai que pour certains boss, on peut s'en passer quand même. Sauf qu'on peut pas aller en bas. Je suis pas trompé là. Je sais pas. Si si, je me suis trompé. Putain. C'est ça hein, quand on se voit pas sur la map. On sait plus où on est. C'était là, c'était à côté. Voilà. Donc. Là on est. Ok, faut aller en bas à droite. Merde, qu'est-ce que tu fais ?
Bon, ça se voit pas trop hein, pour la nouvelle allonge avec longue lame là. Ça augmente seulement qu'un petit peu. Mais contre un boss, c'est quand même assez utile. Parce que bon, il n'y a pas trop d'autres trucs. Ah, quoique. Quoique, il y a Carapace infrangible aussi qui pourrait peut-être être pas mal à la place de longue lame. On va essayer. On va essayer avec longue lame. Si on meurt, on changera. On prendra. À l'autre. Oula oula, il y a du monde au balcon par ici. Merde. Le banc était à droite. On a loupé le banc. On pourrait l'appeler Alban. Parce que quand on le voit, on est content. Et on se dit, ah, le banc. Merde. J'ai pas réussi à les éviter. Voilà, c'est pas en couille ce truc. Qu'on y est. On va quand même se mettre full. Je crois qu'il y a encore un passage en bas où on peut se peut-être sauvegarder. Je sais plus. Je me souviens plus de la zone en bas. Sauvegarde, c'est le mieux. Ah merde, c'est le même passage. Mais je sais plus s'il y en avait un. On est bloqué de partout. Là, on peut pas. On peut pas. Pas non plus. Ah, on s'est fait niquer. C'est fait niquer. J'ai cru qu'elle allait m'attaquer au moment où j'avais ma carapace, mais elle a attendu que ma carapace s'enlève pour m'attaquer. Très gentil. Putain, mais on peut pas passer. Ah, si, faut passer quand même. Des mantes religieuses. Je sais plus s'il y a un truc à faire ici. Sûrement que oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on peut plus passer de toute façon. On ne peut plus passer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Très très intéressant. Ah, évidemment.
Bien qu'on se fasse avoir par un truc comme ça. Il y a un passage en bas. C'est un passage. Il me ferait chier, par contre, c'est de crever et de redevoir tout débloquer, quoi. Mais bon. Kika. Ah, putain, s'il y avait des trous, j'en souvenais plus. Waouh. Se souvenir de leurs attaques parce que là je m'en souviens plus du tout. Merde, il nous a niqué. Et encore ça va parce qu'elle est toute seule. Et encore. Oh putain. Et merde. Oh et merde. C'est ça qui est super chaud, c'est que... C'est très dur de soigner en fait. Oula. Le problème, c'est que je sais pas qui est qui. C'est pas si grave que ça, mais... Je pense qu'il doit bien y en avoir une des deux qui va crever. Qui est morte. Oh, c'est parfait. Dieu. Dieu vivant. Oh, ça va. En fait, quand on a fait le jeu une fois, il devient quand même beaucoup plus simple la deuxième fois parce que. On est habitué déjà au jeu et puis. On est habitué au gameplay en fait. Ah voilà, c'est ça la pire zone du jeu. C'est qui ça? Ah oui. Ouais, on va quand même bien lui acheter. Mais c'est vrai que c'est cet endroit, ça fait partie d'une dernière zone du jeu. On va vite rebrousser chemin. Je sais plus s'il y avait des trucs à débloquer. Juste pour voir. Mort.
On gagne pas beaucoup de... d'âmes. Bizarre ça. Il n'y avait que dalle. Putain, mais respawn. Ah, c'est que l'autre tout à l'heure n'était pas mort en fait. Il y a un truc là, hein, je crois pas. Si. Heureusement que j'ai dit qu'on allait vite rebrousser chemin. Hein. Le mec, il va faire tout le donjon. Je sais qu'il y a des raccourcis, mais je sais pas si on peut y accéder par là en fait. C'est chaud et c'est cacao. Ah, je demande... Merde. Non, c'est pas là qu'il y a une zone super profonde. Peut-être par là, en fait. On arrive où, là ? Je crois que c'est ça, ouais. C'est une zone qui est très profonde. Oh putain, y'a eu. Donc là, ok. On se rapproche d'un des...
d'un des masques du jeu. D'un des masques. Même au niveau que d'elle. On y reviendra plus tard, je pense. Ouais. Oh, attendez, on va rechanger nos trucs. On va enlever épine. On va mettre la carte. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non. On va y arriver, hein. On va y arriver. Oh non. Oh non. Je crois qu'il y a un super truc par ici, mais... Ah putain, j'ai fait trop long. Ah d'accord. Ah d'accord. C'était la fête du slip. Des âmes. Mais lol. D'accord. On s'est fait toucher par les épines alors qu'on n'était pas encore dessus. Quoi. Là maintenant il faut le faire de vers le haut. Et oui. Hollow Knight est très méchant. Ah d'accord. Juste on arrivait tout en haut. On y était, bordel. Pourquoi il s'est fait toucher par les piques? T'es bon, t'es assez haut là. Bien chiant.
On va les sauvegarder. C'est par là. Oui. Ouf. Donc il y a un chemin en bas et un chemin à droite. De toute façon, maintenant on est bloqué, hein. On ne peut plus remonter. Donc... Ah. Bien. Ça, c'est le chemin en bas. On est déjà dans cette zone. Je confonds là. Oui. On peut rien faire d'autre. C'est ça. On va revenir à la fin du jeu. Oula. Donc l'autre c'est à droite. Ok. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, c'est le télé, le train, mais... Oui. Monter par la gauche. Attendez. Putain, on aurait pu pousser par la droite. On est d'accord, on peut plus remonter. Il y avait deux chemins tout à l'heure. On pourrait pas. Hein, peut-être qu'on peut y aller. Non. Non. Ah si, on peut. On peut. C'est pas facile, mais on peut. Là aussi, on peut y aller. Pas venu jusqu'ici tout à l'heure, je crois. Bon, l'enfant vert, ce sera pour une autre fois. Ok, on est quasiment revenu.
que vous. Mais c'est Zot, je crois. Ah, c'est ça. Putain, il grimpait lui. Je ne savais plus qu'il pouvait grimper. Par contre, j'ai aucune idée de comment l'atteindre. T'es pas allé là? On va d'abord aller au banc. Je pense que c'est le mieux. Je sais plus si c'est là qu'on peut l'activer, je crois pas. Ça doit ouvrir la zone. Ouais. Ok. Tu peux venir, merci. Essayer d'éviter d'affronter tous les ennemis en même temps. Oh le salaud. Voilà. Voilà. Y'a un truc? Y'a un truc dedans, hein. Merde. Non. Faut retourner de l'autre côté. Faut retourner là où on était tout à l'heure, putain. Enfin, je crois. Je crois, ouais. Malheureusement.
crois qu'avec ça, on doit pouvoir débloquer le tramway. C'est horrible. Putain, retourner en arrière, quoi. Au secours. Ah non, c'était pas là. Faut monter. Ou pas. Il y a quoi ici? Il y a un truc. D'accord. On va repartir. Je crois que c'est mieux. Toujours fatigué. Ça a débloqué un raccourci. À droite et à gauche, c'est ça. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça. Pas du tout. C'était plus à gauche. C'est là. Oh. Celui de droite. Chemin de droite. Ah. Ça fait Kenny. C'est par là. Alors là, on arrive où ?
cornifère qui est pas loin. On va aller le voir. On va aller le voir parce que là. Ouais. Okay. J'active un petit peu les maps pour voir où je suis. Ça soit inscrit sur la map. Parce que là, j'avoue, je m'en souviens un petit peu de cette map. Merde. Faut aller sur le banc. Voilà, comme ça, quand on va acheter la map, ça devrait être inscrit, je pense. J'espère. Donc, il doit être en bas. Ah, on peut donner nos âmes. Non. Non. Je l'ai vu. Mais quel nom est-ce que tu as ? On va aller au palais. Ici aussi, il y avait un boss assez difficile. Je sais pas si on peut déjà le battre, l'affronter. Ça c'est la marque du roi ou un truc comme ça. On peut pas y aller. Hop. Hop. Ah, il y avait un banc. Ah non, on peut pas y aller, oui. On peut pas y aller. Il faut le super dash pour passer ici. Super dash qu'on a dans les cavernes avec les cristaux roses. Ça, je m'en souviens. Donc du coup, là, il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Il faudra revenir. Ok, d'accord. Ok. Ça n'est pas la carte à jour, ça ? Hier. On va quand même aller en haut, non ? En haut. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'on peut faire ici. Il doit y avoir un raccourci.
Mais où, quoi, comment? Ça, c'est la bonne question. Ah là là. Ah là là là. Merci. Oh putain, mais c'était eu là. Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Ah, c'est pareil, ouais, là aussi il faut le lâcher. On va aller complètement en haut. Là, il y avait un arbre. Là, il faut le dash pour passer là. De gauche à droite. Ça, ça va nous mener en haut, mais le problème, c'est que on s'en fout. C'est que. Ah! Est-ce que c'est bloqué? Je sais pas si c'est bloqué par en bas ou si c'est bloqué par en haut. Peut-être bloqué par en haut. Donc on devrait. Peut-être qu'on va débloquer le chemin. Quel chemin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, là, on a débloqué tellement de zones en même temps que... Tout faire, disons. Du coup, on va aller débloquer le coléoptère téléporteur. Ouais. Vous vous souvenez pas qu'il était aussi violent lui. Ça va être chaud là. Ça va être chaud. Ce qui fait d'énormes dégâts. Ah putain, je suis là. Et dans le caca. Je sais pas si je peux passer au-dessus de lui. On peut. On peut. Heureusement d'ailleurs.
Bon bah voilà. Ou pas. Ah je crois qu'il... Je crois qu'il fallait faire un truc ici. Merde, faut faire un truc. C'est ici ? Ah c'est ici, ouais. Putain, 300. Ils vont nous piquer 300, frère. C'est abusé. Ok. C'était quoi cette zone? Tramway là. Faut qu'on retourne au tramway. Là aussi il y avait un truc. Fallait faire ici. Il y a une porte où il faut faire quelque chose. Je crois qu'il y a un boss. C'est horrible tellement il y a de trucs. Oula oula oula. Oula. Oulolololo. Eh dis donc. Ah, ici je crois qu'il y a un truc en bas à droite. Pareil, on peut pas y accéder encore. Il va falloir attendre. En tout cas, j'avais bien vu juste. J'avais bien raccourci. D'accord. Ça va ? Ils sont tous venus ici. Vous pouvez me laisser tranquille, s'il vous plaît. Trois heures, là. 3 heures qu'on est sur le jeu.
Putain, elle donne des coups de patte aussi. Je ne connais pas de ça. J'attaquais ton collègue, sois poli quand même. Tant que j'ai fini. Putain merde, on peut pas le péter ça. Putain, elle est encore là elle. Dos Manulahan. Merde. Une répale, oh c'est énorme. On va déjà pouvoir augmenter notre arme. Ah je crois que c'est peut-être là qu'il y a un chemin extrêmement long. Une sorte de raccourci. Qu'est-ce que je fais? Ah ok, je fais n'importe quoi. Ah, il est chaud là. Oui. Faire gaffe parce que eux, ils nous virent deux cœurs d'un coup. Là d'où on vient. C'est peut-être là, ouais, mais j'ai pas la compétence pour péter le sol. Bah voilà, je crois qu'on a fait le... On a fait toute cette nouvelle zone. Prochaine zone, donc ça c'est la dernière zone dans laquelle on peut aller avec ce tramway. La ruche. La ruche, c'était par ici. Je dirais que oui. Putain, la ruche, c'était par ici. Mais genre. Ça, c'est des endroits. La première fois que j'ai joué au jeu, j'étais arrivé dans ces endroits-là à la toute fin du jeu, quoi. Par contre, j'ai aucune idée de comment on fait pour rentrer dans la ruche. J'ai oublié. Pas si simple que ça, si je me souviens bien.
C'était bien caché. Je sais plus s'il fallait frapper quelque part ou s'il fallait trouver une entrée cachée. Je crois que c'est un des deux. Un petit peu d'argent. Ça fait pas de mal. Ouais, parce qu'on les entend, mais je sais pas comment on fait pour y aller. Putain, et ça, c'est les égouts. C'est les égouts, ouais. Et là, il faut encore le super dash pour passer. Mais c'est les égouts. Ouais, c'est assez impressionnant hein, d'être arrivé ici. Après les montres religieuses. Frontière du royaume. C'est la zone de glace, de neige. Là, on voit que le niveau quand même est assez élevé parce que je mets tellement de coups pour pouvoir tuer les ennemis. Hallucinant quoi. Ouais. C'est hallucinant. Merde. Est-ce qu'ils peuvent monter ? Non. On est en train de débloquer toutes les zones du jeu les unes après les autres. Ah ok, là on est bloqué. Merci, c'est très sympa de me tomber dessus. J'adore ça.
Bonsoir. Désolé, je regardais pas forcément le chat. Je suis peut-être en retard par rapport au message. Religieuse, enfin de les battre plutôt. Mais après, j'ai pas fait grand chose encore. Hein. Et bon, j'ai déjà fait le jeu une fois sur PC dans sa version normale. Là, j'ai jamais fait avec les DLC gratuits, édition Cœur du Vide. Je sais pas s'il y a des choses qui changent. Il y a beaucoup de choses qui changent. Mais sinon, voilà, j'ai déjà fini une fois sur PC. Mais j'avais pas fini à 100%, évidemment, parce que finir à 100%, c'est tellement... ça demande tellement de temps. C'est pas là qu'il y avait le Colisée. Waouh. Tu nous as eu. Putain, l'autre qui arrive. Je crois que le Colisée était tout en haut. Ça, c'est des coups à mourir en 2 secondes, quoi. Toutes ces bombes. Des oiseaux-bombes. Tiens. Je crois que ça raccourcit ici aussi. Est-ce qu'on revient ? Ah non, pas du tout.
On arrive dans une autre zone. Oh la vache! Et en bas? Ce jeu est tellement immense au niveau de la map, c'est un truc de fou quand même. Passage caché en fait. Oh là là. Ouais, pas du tout. Cet ascenseur. C'est quoi le passage à gauche? À droite? Y'en a pas? Y'en a pas. Ouais. On peut pas revenir où on était tout à l'heure. Je sais plus où on était d'ailleurs. Ah oui, dans le truc de neige. Lac bleu. Ah, il y avait un boss ici aussi, je crois. Je sais plus si c'était un boss ou un semi-boss. Peut-être pas en fait, je sais plus. Ouais, reviens ici, mais j'ai pas beaucoup d'intérêt à aller ici. Il va nous mettre les masques sur la carte. De toute façon, il y a deux rêveurs.
quasiment atteindre. Des mauvais souvenirs cette zone. Bonjour. Non, je ne suis pas franco-japonais. Je suis juste un français qui vit au Japon. Là pour le coup je joue pas en japonais mais... Ça dépend des jeux en fait. Ah oui, je parle couramment japonais, mais bon, c'est pas pour les jeux, c'est vrai que c'est assez utile, mais surtout pour le boulot, quoi, vu que je travaille qu'avec des japonais, donc si je ne parle pas japonais et si j'arrivais pas à lire le japonais, je serais un petit peu dans le caca, surtout pour trouver du boulot ici. Ne pas parler japonais, c'est quand même assez... C'est pas impossible. C'est quand même difficile. Faut dire qu'ils ont un petit peu de mal aussi à parler anglais. Les jeunes parlent un petit peu anglais, mais ça dépend des japonais en fait. C'est vrai qu'ils ont un petit peu cette peur de parler anglais, de faire des fautes, de se tromper. Alors que bon, c'est vrai qu'une langue, si on ne parle pas, enfin du moins si on n'essaye pas de parler une langue, bah, on va avoir du mal à devenir bilingue.
Là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je vis ici. Donc à force, on arrive à se faire à la vie au Japon. Après autant de temps. La carte. C'était plus par par envie. C'est vrai qu'à l'époque en France, enfin même en Europe en général, il n'y avait pas vraiment de boulot. Et vu que j'avais fait une année d'études au Japon, le pays, bah voilà, la vie m'avait bien plu. Je me suis dit, bah pourquoi pas essayer une autre année. Mais cette fois-ci de boulot, pour voir comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est très différent, hein. Par contre. Travailler au Japon, enfin de toute façon, c'est pareil pour tous les pays. Mais voyager dans un pays, étudier dans un pays, travailler dans un pays, c'est extrêmement différent. C'est pas du tout la même chose. Mais malgré tout, ça, c'est quand même bien de travailler au Japon. Il y a des avantages et des inconvénients de toute façon. Et sinon pour Hollow Knight, j'ai déjà fait sur PC une fois, j'ai déjà fini, pas à 100%, j'ai juste arrivé à la fin et tué le dernier boss, mais voilà, le faire à 100%, je crois que j'avais fait le Colisée à 100%, mais après j'avais pas retué les boss ou les trucs comme ça. Ouais, je me suis fait à la vie de salarié, bah c'est pas si dur que ça au final, hein. La vie au Japon, c'est un petit peu comme en Europe, aux États-Unis. Ça dépend là où on tombe en fait. Il y a des endroits plus sympas que d'autres. On a 4 charmes. Non, on a 9. On a toujours 9 charmes. Ah, on peut acheter ça. Ah, mais il faut aller voir le forgeron aussi. Comment on fait pour voir la map? Ah, c'est ça. Oui. Ah
Ah, le coup pour écraser le sol, non? Non, je l'ai pas encore eu. Je sais plus où est-ce qu'on l'a. Mais là, de toute façon, c'est vrai que j'ai débloqué pas mal de zones d'un coup. Je me souvenais pas que le jeu était aussi compact, en fait. Parce que je suis... Je dois être à 5h, 6h de jeu, là. Et la première fois que je l'avais fait, je crois que j'avais mis 50 heures pour le finir. C'est pas du tout par là que je voulais aller. Ah oui, je crois que c'est avec le boss mage, là. Qui est en haut à gauche. Effectivement, je crois que c'est lui qui nous le donne. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens parce qu'il faut péter après la sorte de vitre au sol, il me semble. J'ai surtout hâte que la sortie de Hollow Knight 2, qui devrait sortir cette année en principe, merde, le 1 était tellement bien que le 2 ne peut que être bien. Ouais, apparemment, ouais. Ça va changer un petit peu au niveau du gameplay. C'est pas plus mal, hein, d'un côté. Ça va faire un gameplay à la Sekiro, mais version 2D. Garadel Akari. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a pas mal de personnes, moi y compris, on pensait peut-être qu'à un moment on aurait pu jouer ce personnage dans le 1, mais non. Ils avaient dû garder ça pour le 2 directement à la base. En 3 coups maintenant. Les jeux From Software, pas du tout. Je crois que quand Dark Souls 3, Sekiro était sorti, c'était une sortie mondiale. Alors peut-être qu'ils sortent à peu près un jour en avance à cause du décalage d'horaire. Mais c'est tout, quoi. Comme par exemple le mois prochain, il y a Nioh 2 qui va sortir. Mais je pense pas
qu'il y a un décalage. Qui doit sortir. Je crois qu'il sort aux alentours du 20 mars. Un truc comme ça. Si, c'est vrai que j'ai hâte qu'on ait des news sur la sortie de ce jeu. Du coup, j'imagine que c'est vrai qu'on a une période où on sait pas trop si les jeux vont sortir sur cette génération ou sur la prochaine. Mais j'imagine qu'il sortira quand même sur la génération actuelle. Bon, de toute façon, en général, les jeux japonais, pas énormément les capacités des consoles maximum, donc bon. À part Kojima ou du Square Enix, la limite un petit peu Capcom. Ouais, peut-être sur les deux. Waouh, on le tue en trois coups. C'est pas là justement qu'il y a le boss. Ah bah si. Un petit peu plus haut encore. Tellement de passages. Ah putain, ouais, ces ennemis. Ouais.
Oh, petit salaud. Et merde. Oh, on l'a eu quand même. D'accord. D'abord te tuer. Ok, pas de problème. À plus tard. Non. Ah si, il y a un ascenseur. C'est peut-être là le boss, on n'est pas loin là, je crois. Ah, j'avais oublié que ces projectiles partent en courbe. Est-ce qu'on était venu ici? Oui. Là d'où on vient. Là. Menteur d'âme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça améliore la capacité du porteur à lancer ça. Ouais, mais non. En tout cas pour le moment. Boss. Maître de l'âme. Putain. Ça fait un direct. Oh d'accord, j'ai oublié ça. Ah.
Oh le salaud. Il nous a pop dessus. Et là, on se sent bien. Sauf que, il est toujours là. Je sais plus s'il faut faire un truc là. Là, il est mort. Ah. L'illumination. Putain, c'est dingue, on gagne quasiment rien du tout. Au niveau des assurances, ça rapporte quasiment rien. Quoi. Et là, en ravageur. Ouais, on est riche. Ah non. Ah, ok. Il y a un truc là. Non. Soda l'honnête. Ah, c'est des trucs à vendre ça. Et je pouvais pas bouger. Ah bon. C'était pas là. C'est pas là qu'il faut aller. Il est quasiment 9h. Ah ouais. Ah. Non. On va éviter. Je crois qu'on peut essayer de le rebattre dans sa vraie forme, mais non. Ça par exemple, je n'avais pas fait la version PC, rebattre tous les boss dans leur vraie forme. Ça prend quand même du temps. Si jamais on le fait, il vaut mieux attendre quand même d'avoir tous les charmes, enfin, d'avoir augmenté la vie au maximum et tout, parce que sinon, ça risque d'être chaud là. Mais c'est bizarre ça. Je suis bloqué. Parce que là on peut pas y aller.
j'ai loupé un passage. Tête aveugle. Oh là là. Que là, il n'y avait rien. C'était juste pour débloquer. Là, il n'y a pas de passage non plus pour passer en bas. Le sol ne bouge pas. Puis, comment on fait pour partir d'ici ? C'est même pas une énigme en fait, mais c'est juste que je dois pas voir le chemin. Là on peut pas. Là hop, on va tout en bas. On peut pas passer parce que c'est bloqué. Là aussi c'est bloqué. Là aussi c'est bloqué. Oh putain, si, si. Merde. Allez, on devrait avoir assez. J'ai pas encore débloqué la map entre guillemets. Une fente. Non. Hein ? D'accord. Bon bah voilà. Bon, on a bien avancé là. Putain, ça fait 4 heures. Ah, je vais faire une pause. Je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. De toute façon, vu qu'il est 9h du soir, je continuerai sûrement demain. Soit peut-être pas Hollow Knight. Soit Hollow Knight, soit Infinite Undiscovery, soit The Division 2, je ne sais pas encore. Après le boulot, j'allais manger moi aussi, je vais me préparer pour le boulot pour demain. Merci.
je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines aventures. Merci, bye bye.